السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي نخصوه لا سيكونس 4 وبالضبط لا ليكتور. Identifier les péripéties dans la pièce des parents dans l'embarras. Les spéculoos fnafa, la scène d'exposition et le nœud. وسبقنا قلنا شنو هما شنو هي لا ستركتور لا ستركتور دون بياس تياترال يعني من ماذا تتكون نص مسرحي قلنا تتكون من لا سين ديكسبوزيسيون لو نو لي بيريبيسي اي لو دينومو بيان ici on a un support scène 3 bien désemparés يعني مضطربين لي بارون دو مارتان ديسيد دو كونسولتي ان بسيكياتر بور لي زيدي ا جيري لور كونفلي افيك مارتان يعني بعد ما طلب منهم مارتان اون فيراري اللي شفناها في لو نو قرروا انهم يلتجؤوا لطبيب نفساني باش يعاونهم على المشكل ديال ولدهم Le père, eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui notre fils nous demande une Ferrari. Mère, empressée, avec deux fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Le psychiatre, un modèle réduit. Il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de lui payer. Je vais vous faire envoyer un chèque. Que vous me rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Et là, le psychiatre te donne un ombre et un jouet. Il y a un bas à la chaque Ferrari. Il y a un chèque pour que vous achetez le Ferrari. Il y a un Ferrari pour que vous remboursiez. Le père, non, docteur. Il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection. Et siège éjectable. Tu y vas un peu fort. Père, mettant la main sur le micro du téléphone, il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. Le psychiatre, à sa demoiselle de réception, à propos du patient à camisole. Non, pas celle-là. La rose, pas si lui la rose. Père, rouge docteur, mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance? Le psychiatre, non. Est-ce que ce sera tout? Père, que faut-il faire docteur? Nous sommes démunis. Le psychiatre, commencez par compter vos économies. Non, il n'en est pas question. Nous ne céderons pas sur ce point en tout cas. Il dit qu'il a essayé de jouer le flux pour acheter la Ferrari. Le père a dit non. Rien n'est possible. Je ne vais pas nous déplacer. Le psychiatre, il ne s'agit pas de la Ferrari. Il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous pouvez payer comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Sinon, adressez-vous à un collègue. J'ai de très bonnes adresses. Père, entendu. À tout à l'heure. Mère, alors. Comptant ses sous dans sa porte-monnaie, va réveiller ton gros nounours. On se rend chez le psychiatre. Il a fait le psychiatre. لما داكشي اللي اقتصدتو الاب قال لي لا لا يمكن ما غاديش نتنازلو على هذه النقطه هذه الاجابه تاع البسيكياتر قال لي انه ما تنهضرش على الفيراري باش تشريوها تنهضر على الثمن باش تخلصوني انايا يعني الثمن تاع لا فيزيت بيان جيسبر كو توت كلير
J'observe et je comprends. J'observe et je lis le texte support, puis je complète le tableau suivant. Bien. ولاحظ وأقرأ النص support سند et je complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. ديداسكالي. عندنا انترن واكسترن. انترن إلى باقي عقلين غادي نرجعوا نشوفوا الصفحه. رجعوا لا باج 125. عندنا ديداسكالي اكسترن يعني مؤشرات الخارجيه. اون ديداسكالي اكسترن c'est une indication cynique donnée par l'auteur et qui ne fait pas partie du dialogue, souvent en italique ou en gras. يعني المؤشرات الخارجيه هي ديك المؤشرات اللي تيكون كاتبها الكاتب تتبين طريقه العمل فوق خشبه المسرح. بينما لديداسكالي انترن المؤشرات الداخليه c'est une indication cynique prononcée directement par un personnage. Exemple, donnez-moi cette chaise. هذه تكون داخله النص. Bien, رجعوا الصفحة ديالنا 140. ديداسكالي انترن par exemple ici à sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole. Non, pas celle-là. Passez-lui la rose. Passez-lui. Passez-lui la rose. C'est un exemple. On a aussi va réveiller ton gros nounous. Il s'adresse à la mère. Va réveiller ton, etc. Grand nounous. Pour les externes, il y a aussi les ديداسكاليات qui sont خارج du dialogue. Par exemple, empressé. Il y a aussi un temps. Content. La dernière ligne, comptant 6 sous. Bien. Les personnages. Les personnages. Benny, c'est le père. La mère. Le psychiatre. Le lieu, le salon, le moyen de communication utilisé ici, le téléphone, sujet de la communication, les parents veulent prendre rendez-vous chez le psychiatre. Le souci des parents, les parents. Leur fils veut une vraie Ferrari. Réponse du psychiatre. Guillaume acheté lui un modèle
Ferrari. Donc un jouet. Hypothèse de lecture sur l'emplacement de la scène dans la pièce. يعني شنو هي الفرضيات حول مكان هذا المشهد داخل النص المسرحي. Il peut être la scène des péripéties. Et là, les réponses du psychiatre, Guillaume achetez-lui un modèle Ferrari ou il leur demande de lui faire un chèque de remboursement et leur fixe un rendez-vous. Gadou, ce sont des réponses. Bien. Je relève dans le texte les indices qui décrivent les traits de caractère des personnages. الصفات الشخصية ديال الشخصيات. مارتن يعني شنو هي الصفة التي تتميز بها؟ إلي تيتو يعني راسو قازح. إكزيجون يعني عنده متطلبات. Les parents désemparés, démunis. Bien. Pour le psychiatre, il est matérialiste, il m'a dit. Il ne pense qu'à l'argent. Il est incompréhensif. Réel mutafahim, incompréhensif. La consigne C, je rappelle ce que les parents ont entrepris pour trouver une solution au problème qui les oppose à Martin. Elle décide de consulter un psychiatre, tout simplement. Je vérifie l'hypothèse de lecture. C'est la scène des péripéties. Je retiens. Les péripéties correspondent à des événements qui modifient et font évoluer l'intrigue pour entretenir le suspense. La consultation du psychiatre par les parents est prise suite à la demande bizarre de leur enfant Martin. Tu connais mon bête? Maintenant, nous avons le mouchkil d'Achin Snusrahi. Nous avons dit que nous avons le mouchkil d'Achin Snusrahi. C'est ce qu'on appelle. Les péripéties, ce sont des événements qui modifient et font évoluer l'intrigue. C'est une définition simple. J'espère que tout est clair. Et merci beaucoup. Je m'exerce. Une autre vidéo, Inch'Allah. À la prochaine.